une partie de pétanque qui tombe à l'eau. Tu peux me dire ce qu'il y avait de tellement urgent? J'en sais rien, j'ai même pas eu le temps de me sécher les cheveux. Ah, bonjour, ça va? Ça va. Allons plutôt dans le grand amphi, je voudrais vous parler de certaines choses auxquelles j'ai pensé. Alors, pour savoir ce qu'il y a de si important pour nous faire venir un dimanche, on faisait une rando, nous. Vous pouvez pas attendre demain? Vu l'état de l'école, on ne peut pas se permettre de perdre une journée. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, salut. En outre, il va falloir vous habituer à ces petits déjeuners de travail. Le dimanche? Bonjour. Il y a de l'abus. Je vais en parler à Carmen, ouais, ça se fait pas, ça. Nous en avons déjà discuté hier chez elle et elle n'a pas émis d'objection. Non. Non. Bon, il est tard, ne perdons pas de temps, allons-y. C'est parti. Dites, Antonio, ils vont nous compter ça en heure sup, à votre avis? Ça m'étonnerait beaucoup, ça. Et mes enfants, moi, j'en fais quoi? Je vais devoir les inscrire à l'école pour les avoir sous la main? Non, mais faut quand même pas exagérer, hein, il y a des limites. Bien. Pour commencer, je souhaite modifier légèrement les horaires. À partir de lundi, les cours dureront tous 1h30 au lieu d'une heure. Mais... Parfaitement, nous commencerons plus tôt et nous nous efforcerons d'écourter un peu la pause déjeuner. C'est une blague. Bah voyons, on n'a qu'à supprimer la pause et avaler un sandwich en classe tant qu'on y est. Non, ce serait trop mal élevé de parler la bouche pleine aux élèves. Et comme j'ai l'intention d'assister désormais à vos cours... À titre d'inspection ou de visite amicale? Non. En tout bien, tout honneur, vous pouvez me faire confiance. Non pas que je tienne à intervenir, mais... À qui est le mobile qui sonne? T'es sûre que c'est pas le tien? Oh, pardon, c'est le mien, désolée. Je viens de l'acheter et je ne suis pas encore habituée à sa sonnerie. Donc, si je résume, on fait une croix sur nos week-ends, sur notre liberté d'enseignement... Si je résume, Juan, les drames, c'est sur scène. Maintenant, poursuivons. À partir d'aujourd'hui, je compte faire preuve d'une extrême rigueur concernant les heures d'entrée en cours des élèves. J'exigerai d'eux une attention maximale envers les professeurs. De plus, en danse classique, la tenue réglementaire se devra dorénavant d'être rigoureusement classique. Aucune concession ne sera tolérée. Come on now, everybody dance, because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Avec moi au maquillage, d'accord? J'ai encore 2-3 trucs à régler et j'arrive. Tu les occupes en attendant, ok? Soudain, l'ogre se regarda dans le miroir et il se rendit compte qu'il n'était pas beau du tout quand il disait des gros mots. Hé, Lola, alors... tu le prends pas mal surtout, mais t'en fais des tonnes, là. Mais un programme pour enfants, ça doit être éducatif, non? Ouais, mais ça veut pas forcément dire que c'est sponsorisé par la paroisse. Comment as-tu osé venir dans cette tenue à un casting? Tu ressembles à une bonne sœur. Et entre nous? Certaines que les gosses, ce qui les branche, c'est plutôt ce style. Qu'elle est vulgaire. Ah, je te jure. Moi, je la verrais bien animer le programme jeunesse pour les plus de 18 ans. Et moi, regarde. Top Delirious, super cool, hyper méga classe. Viens essayer les monstres Pokés. Alors? Tu ne fréquentes pas beaucoup d'enfants ces temps-ci. Détends-toi, j'en connais. Et combien tu en connais qui disent « C'est top Delirious » ? Bah plein, pourquoi ? Donne-moi un seul nom. D'accord, j'avoue, il y a un bal que j'en ai pas vu de près, les gamins. N'empêche que c'est bien. Hein. Mince alors. Regarde là, ce tortillé. Ça doit être quelqu'un d'important, un réalisateur ou un producteur peut-être. Attends un peu, toi. Mais où tu vas ? Je peux te faire un goût magnifique. J'en ai déjà c'est un. Je te demande pardon. Oh, ça
ça, c'est pour m'avoir planté comme une vieille chaussette. Je t'ai attendu pendant 5 ans. Et toi, tu veux ma photo? Quelle surprise, Ingrid. Moi aussi, je suis ravi de te revoir. Il s'est vraiment passé tout ce temps, depuis. Ça dépend pour qui. Pour moi, c'est comme si c'était hier. J'ai cru comprendre, oui. Jess, mon premier petit ami. Resplendissante. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Mais dis-moi, n'étions-nous pas censés aller dîner? Tout à fait, et nous y allons. Je te demande juste une minute. Tout doit être prêt dans les délais, je compte sur vous. Vous, là-haut, faites attention avec votre peinture. Oh non, ma veste. Non, je suis désolée, Carmen. Oh non, surtout pas, fais pas ça, s'il te plaît, tu vas étaler la tâche. Excuse-moi, je vois pas très bien ce qu'il y a de drôle, hein, je viens de l'acheter. Ça me rappelle la fois où on avait répété ensemble dans un théâtre de l'Éridade où on nous avait chassés à coups de tomates pourries. Mais tout ça par la faute de nous, et à quelle idée aussi de traiter le maire d'extrême droite de sale fasciste. Elle n'avait pas tout à fait tort, cela dit. Heureusement que la pièce a finalement été un succès. Tu te rappelles l'ovation, Roméo? 10 minutes d'applaudissements. Et toi, bien sûr, en ce temps-là, tu ne me prêtais guère attention. Non, je t'en prie, ne commençons pas avec non, ça. Non, rassure-toi. Carmen, j'aimerais te proposer quelque chose. Fais très attention, parce que cette fois, je pourrais te répondre oui. Non, il ne s'agit pas de ça. En fait, voilà, je vais produire de nouveau Les Veuves. J'ai déjà un théâtre, une date, un metteur en scène, et je voudrais que tu y participes, toi aussi. Moi? Dans Les Veuves? C'est une pièce qui m'a toujours beaucoup plu, remarque. Et l'idée n'est pas mauvaise, mais enfin... Et qui seraient les deux autres? Oui, je t'attends là-bas, d'accord? Carmen! Oh, Carmen, que je suis contente! Ça fait une éternité! Oh, Noria! Tu es toujours aussi élégante. Et toi, tu es toujours aussi militante. Bonsoir. Quelle surprise! Je ne savais pas que tu étais encore dans le métier. Ben, ma foi, oui. Tu sais comme moi combien il peut être difficile de renoncer à cette profession. Je sais, oui. Quitte à jouer, s'il le faut, l'effet du logis avec ton frottex. En tout cas, pour quelqu'un qui fait de la réclame pour un détergent, je ne sais pas comment tu oses sortir avec une éclaboussure aussi énorme sur ta veste. Écoute, pas de chamaillerie, ça suffit. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Carmen a accepté de jouer dans la pièce. La fine équipe réunie au grand complet 20 ans après. N'est-ce pas merveilleux? Come on now, everybody dance, because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Bravo. À demain, merci. Son Mariano va avoir notre peau si ça continue. Arrête, je digère pas les chouquettes de ce matin. Allô? Comment t'as eu mon numéro? Ah, c'est la prod qui te l'a donné. Bah toi, on peut dire que tu manques pas d'air. Qui c'était? Manuel. Apparemment, tu es un faible pour les hommes plus âgés, non? Ils ont aussi plus d'expérience. Lui, je l'ai connu quand j'avais...
15 ans. Et il devait en avoir, disons, 10 de plus. Quoi ? 10 ans de plus que toi ? Il me rendait dingue, ce gars-là. Donc ça veut dire que, à 15 ans déjà, tu avais perdu ta... T'es pas croyable. Moi, à 15 ans, je savais même pas ce que c'était. Alors attends un peu que je te raconte ce que je faisais à 16 ans. Ouais, je peux t'aider si tu veux. Vraiment sympa. Oui ? Alicia n'est pas là ? Non, elle sera absente quelques jours. Ah. Elle est avec quelqu'un ? Horatio, Alicia est allée se reposer quelque temps sur la côte. Elle n'allait pas bien dernièrement. Elle ne s'est pas remise de votre séparation. Désolé, je ne le savais pas. Je te demande pardon. Non, non, mais non, je te parie tout ce que tu veux. Ingrid ! Ingrid ! Attends ! Tiens, je regrette de t'avoir laissé en plan. T'es cinglée ? D'accord. Je sais que c'est ridicule de venir s'excuser au bout de 5 ans, c'est vrai, tu as raison, mais... Ne me dis pas que c'est le coup qui t'a fait réagir. Non. C'est le fait de te revoir qui m'a... Si j'attrape enfin, le qui vandale m'a... qui a saccagé la jardinière, il va entendre parler du pays. À propos, tu faisais quoi à la télé ? Je cherchais du boulot. J'avais pas le choix. J'ai 2 jours pour payer le loyer, sinon je vais dormir dans le parc. Et combien il te faut ? Presque rien, 600 euros. J'en ai déjà 70, ça se présente bien. Bien sûr que je suis nerveuse. Ça fait des années que je n'ai pas rejoué. Mais ça ne signifie pas Carmen, que... Carmen, voilà le courrier. Merci. Et au fait, ôte-moi d'un doute. Tu vas vraiment remonter sur les planches avec Amélia ? Non. Oh, ce n'est pas plus mal. Parce que si je me souviens bien la dernière fois... Bref, ça m'étonnerait que vous rejouiez ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? Oula ! Un tremblement de terre, un énorme scandale. Le théâtre était plein à craquer et au moment rien, où... Rien, il ne s'est rien passé du tout. Je ne jouerai pas dans les veuves, point final. Carmen, tu ne peux pas renoncer comme ça. Je t'en prie. Carmen, par pitié, réfléchis. Écoute-moi, Federico, je suis très occupée ici, à l'école. J'ai Carmen, beaucoup de Carmen, travail. Carmen, je viens de parler avec Barcelone et nous avons les contrats, ça y est. Tu as signé le contrat ? Oui, bien sûr. Non, voilà ce que je te propose. Tu repasses ici tout à l'heure et tu viens équipé, sans faute. Bien, chef. C'est peut-être vrai que le premier amour marque jamais notre cœur. Eh bien, en tout cas, lui au moins, je ne l'ai pas oublié. Et à l'heure actuelle, tout le monde peut pas en dire autant. Comme si on pouvait oublier ce genre de choses. Pipelette, un peu de silence, on stay, on observe. Pour la toute première fois, un prof de qualité va nous faire cours. Alors, un peu de respect. On va voir s'il est aussi bon qu'il le dise. Et dis-moi, ma grande, t'en connais beaucoup, toi, des profs qui ont failli rafler un Oscar à l'âge de 22 ans et qui aujourd'hui écrivent et dirigent. Ce type, c'est une pointure. Et il va me présenter à tout le gratin. Tout le monde est là ? Bon. Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir sur quoi vous travaillez en ce moment afin de mieux vous connaître, d'accord ? Un volontaire ? Moi. Tu es Arenales, Roberto Arenales. C'est ça. Parfait. Alors, avec quoi vas-tu nous surprendre, Arenales ? Parce que je suppose que tu vas nous surprendre, non ? Pas mal pour un début. Quand tu voudras. Vas-y. Compagnon, Romain, compatriote, je suis venu inhumer César et non le louer. C'est quoi ça ? C'est une plaisanterie, un bal costumé ou une parodie ? J'ai des doutes. Non, ça n'a rien d'une parodie, j'interprète un rôle. J'ai cherché l'origine de mon personnage, je l'ai intériorisé. Intériorisé ? Puis... En somme, pour toi, intérioriser, c'est monter sur scène habillé comme un clown et faire le guignol. C'est ça, intérioriser. Vous vous moquez de moi ? Non. J'enseigne l'art dramatique, je n'ai pas le temps de me moquer de mes élèves.
Va t'asseoir, s'il te plaît. Bon, qui est le meilleur de la classe? Qui s'avance? C'était moi. C'est toi le meilleur? Eh ben, il y a du boulot. J'ai jamais rien vu d'aussi pathétique de ma vie. Un autre volontaire? Toi, avec le bouquet. Au travail. Bien. On t'écoute? Très bien. Expression. Parfait, c'est bien. Bien. Oui, voilà. Deuxième groupe. Pavel, tu es dans le deuxième groupe, je crois. Allez, rattrape-les. Mais enfin, Pavel, à quoi tu joues? N'oubliez pas les bras, attention. Très bien. S'il te plaît, Pavel, tu en es où, là? Même pas le final. C'est trop de demander. Mais on peut savoir ce que tu fais, planté là comme un piquet? Et ne viens pas me dire que tu es fatigué, parce qu'aujourd'hui, vois-tu, nous le sommes tous. Je fais un blocage, j'ai pas... C'est plus qu'un blocage. La vérité, c'est que tu n'as aucune idée des mouvements ni du reste. On ne peut pas toujours être au top, mais là, tu es complètement à côté de la plaque. Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, je fais au mieux. Combien de fois as-tu raté le cours? Hein? Et le pire, c'est que même quand tu viens, c'est comme si tu n'étais pas là, mais tu ne vois pas que toute la classe prend du retard par ta faute. Regarde où nous en sommes. Continuez, continuez. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu progresses petit à petit. Tu as besoin d'un peu plus de temps que les autres, mais tu avances. Alors on se remet vite en place. Je vous rappelle que tous les élèves de l'école doivent assister à la réunion qui se tiendra tout à l'heure dans la grande salle. Bonjour, Carmen. Bonjour, Nouria. Oh, quel air sérieux. Tu n'aurais pas un peu le trac? Tu sais, il n'y a vraiment pas de quoi s'angoisser, ce n'est qu'une première lecture. Ah non, 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 c'est l'école qui m'inquiète, j'ai beaucoup de soucis ces temps-ci. C'est pour ça que j'ai demandé à Federico qu'on répète sur place, comme ça j'irai directement à ma réunion dès qu'on aura terminé. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait des lustres qu'on ne sait pas. Je vais t'en raconter des vertes et des pas mûres. Pour commencer, en voilà une. Ta grande amie, Amélia. Tu savais qu'ils étaient ensemble? Non. Si. À propos, tu es superbe. Il faut que tu me donnes le nom de ton médecin. Qui? Mon médecin traitant? Mais non, voyons, celui qui t'a fait ton lifting. Allons, Nouria, ne dis donc pas de bêtises. Carmen, permets-moi de te présenter Isaac, le metteur en scène. Bonjour. Ravi de te connaître, Carmen. Il est très jeune, Amélia. Oui, hein? Mais très. Mesdames, bon, on commence quand vous voulez. Allons-y. Oui, allons-y. Ah. Et bel homme en plus. Oui. Bien. Les veuves de Salvador Jiménez, comédie noire en cinq actes. Le rideau se lève, entrée d'Almudena et Mercedes en deuil. Tu crois qu'elle le supportera? Amélia, tu as lu mon rôle? Je ne pense pas. Je t'assure, je joue Almudena, c'est moi qui ai le rôle-titre. Je croyais que tu étais au courant, pardonne-moi Carmen. On a effectué un changement par rapport à la distribution originale. C'est Amélia qui joue Almudena et toi, tu seras Mercedes. Non, 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 hors de question. Et qui plus est, je ne trouve pas très éthique de mélanger vie privée et vie professionnelle. Dans l'intimité, vous pouvez faire ce qui vous chante, ça vous regarde. Mais de là à me déposséder de mon rôle, et puis franchement, est-ce que tu n'as pas honte, Amélia? C'est presque un enfant, mais regarde-le, voyons. Enfin, moi, ce que j'en dis, hein, si vous voulez vous fréquenter, non, allez-y, mais pas... Nous fréquenter? Lui et moi, nous fréquenter? Oh mon Dieu, la pauvre, ça y est, elle devient gâteuse. Juste une petite précision. Je sais bien que ça n'a pas grand intérêt, mais... Je suis gay. Donc, en ce qui me concerne... Mais dans ce cas, qui fréquente-t-elle?
Si ce qui te travaille, c'est de savoir si je suis avec quelqu'un, la réponse est oui. Federico et moi sommes ensemble depuis un moment. Oui, nous voyons, Amélia et moi, mais depuis peu de temps. Très peu. Ouais. Ça y est, nous pouvons poursuivre la lecture. Alors comme ça, toi, tu es gay? Oui. Le metteur en scène est gay. Quel dommage. Oui, c'est ça. Très bien. Il faut que tu sentes l'objectif posé sur toi. Tu es sûr, c'est maintenant, une bonne idée? Un petit sourire. Mais oui, il nous fait des photos à un bon prix et comme ça, lui, il renfloue un peu ses caisses. Et nous, on a des clichés présentables. Et tout le monde est content? Non, pas si près. Recule un peu, sinon la lumière est mauvaise. Qu'est-ce que tu racontes? On peut aussi arrêter là, si ça te plaît pas. Je préfère, oui. Je dois filer, je suis pressée. C'est bien parce que tu le connais, sinon je ne lui confierais même pas mes photos de passeport. Tu peux faire un effort, non? Se calme, les filles, ça suffit. C'est mon tour, non? Oui, installe-toi. J'arrive. Et c'est parti. J'espère qu'il n'y en aura pas pour longtemps. Tu verras, je suis rapide comme l'éclair. Je suis prêt. On y va. Oui, c'est ça. Magnifique. Et maintenant, passe la main dans tes cheveux. Oh, pardon. Oh, je viens d'avoir une idée. Je pourrais prendre une pose de danse pour qu'on voit que je suis une danseuse. Parfait. Un truc comme ça. Très joli. Ça impressionne toujours. C'est super impressionnant, il n'y a vraiment pas d'autre mot. Et j'ai un casting pour un programme jeunesse, alors si tu pouvais faire pas vite. Pas de soucis. Lola, t'es pas sûre d'être tenue pour l'émission, alors essaie de te détendre et concentre-toi sur les photos. Oui, refais-moi le coup des cheveux que tu rejettes en arrière, c'est bien. Voilà, super. Et est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Eh, t'es une rigolade, toi, hein? Attention! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu fais exprès ou quoi? Pardon, je savais pas que vous étiez là. C'est dingue d'être aussi maladroit. Bonjour, Pedro Salvador. Manuel. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pas entendu? On est tous convoqués dans la grande salle, tout de suite. Allez, on y va. Je sens qu'il va vite me saouler, le nouveau. Ils ont beaucoup insisté, toute l'école doit y être. Moi, j'y vais. Attends-moi, je viens avec toi. Je veux pas avoir de problème avec Mariano. Imagine qu'il me traite comme Roberto, j'endormirai pas la nuit, je me connais. Tu prends des risques. À toi de voir, j'en ai pour 10 minutes. Bon, 10 minutes, pas plus. Appliquons-nous. Je voudrais que tes photos soient exceptionnelles. Hmm? Tu es prête? Au travail. Quantos años pasarán? Attention, prépare-toi, tu vas être très belle, vas-y. Bien, t'es belle, vas-y. Peinar tu pelo, oui. Que es de oro. Me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te. Bien, allez, on y va. Merveilleux. No quedan luces. Tu te rends compte que c'est la première fois que je te prends en photo? Malheureusement, c'est moi qui vais devoir partir en courant cette fois. Je suis désolée. Attends, ne bouge pas. Une dernière pour la route. Un souvenir, hein? Vas-y. Dices que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tu recuerdo. Bonjour Carmen, on peut commencer, vous êtes prête? Oui, mais qu'est-ce que avant c'est que de l'annoncer... Il faudra un peu de silence, asseyez-vous et taisez-vous, on se croirait dans un poulailler. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça rime tout ça? Aucune idée, t'en as parlé à Carmen? Non, je trouvais déjà bizarre qu'ils interrompent les cours en mégaphone, mais ils sont fichus de nous faire rattraper le temps perdu un dimanche ou en soirée. Oui, venant de lui, je m'attends au pire. Au secours? Oh, il va trop loin. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, tu sais, c'est pas trop mon truc de critiquer. Bonjour à tous et merci d'être venus. Bonjour. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour la précipitation avec laquelle je vous ai convoqué à cette réunion dans le Grand Amphi. Voilà qui est fait. Ce n'est pas la première fois que vous m'entendez dire que, lorsqu'on m'a proposé de diriger cette école,
Je me suis promis d'en élever le niveau afin de lui rendre le rang qui était le sien. Des changements vont avoir lieu. Ils sont destinés à améliorer la formation que vous recevez. Nous avons aussi prévu de revoir les statuts de l'école, afin de vous rappeler les normes de comportement que vous vous êtes engagé à respecter au moment de votre inscription. Des normes qui concernent, par exemple, les absences non justifiées. Comme vous le savez parfaitement, plus de 3 absences injustifiées entraînent le renvoi immédiat de l'élève incriminé. En l'occurrence, c'est précisément le cas pour Pedro Salvador, qui comptabilise 5 absences, Roberto Arenales, 4 absences, Silvia Jauregui, 3, Lola Fernandez, 3, et ainsi de suite. La liste est interminable. Si l'on en croit les statuts de cette école, les élèves cités doivent être immédiatement renvoyés. Toutefois, nous sommes disposés à leur accorder une deuxième chance. Excepté dans le cas de 3 élèves qui sont Maria Burgos, 11 absences, David Laurent, 14 absences, et Pavel Rodriguez qui totalise à lui seul 15 absences, un record qui se passe de commentaires. Les 3 élèves que je viens de nommer sont priés de rassembler leurs effets personnels et de libérer les chambres sur le champ. Ils sont définitivement renvoyés de cette école. Pour ma part, je n'ai rien à ajouter. Pour qui se prend ? Merci. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como a un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si se cuela. Tu es magnifique dans cette lumière. Dices que es para mejor que la distancia es el olvido. Allez, viens ici. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tu recuerdo. Donc là, j'arrive, j'attrape le journal. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ça me sidère. Alors tout le monde s'en fiche, on continue à faire exactement comme si de rien n'était? Comment peut-on être aussi peu solidaire? Ça me dépasse complètement. Je me permets de vous rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié, que 3 de nos camarades de classe ne viendront plus en cours et que ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Ce qui te fiche en rogne, c'est qu'ils aient renvoyé Pavel. Alors ton couplet sur la solidarité, tu peux te le garder parce qu'ils ont viré des tas de gens et que t'as jamais levé le petit doigt pour eux. C'est vrai, oui, mais c'est une chose de se faire renvoyer parce qu'on s'est rétamé à ses examens, et c'en est une autre de se faire jeter sans appel comme ça sur un claquement de doigts. Ce type est un dictateur, et si on veut combattre ses méthodes, il faut être tous unis. Oui, elle a pas tort. Bon, qu'est-ce que t'as dit ? C'est marrant, parce qu'au fond, je trouve ça assez logique et en même temps... Sylvia, tu peux compter sur moi. Si Mariano veut se la jouer gros dur, il sait pas à qui il a affaire. On va lui... Je dérange ? Je peux vous apporter un petit café, si vous voulez. Quand on parle du loup... Non. Voilà, Mariano. Je suis tombé par hasard sur le DVD de votre film Lever de soleil, et je me demandais si vous pourriez me le signer. Sale faillot ! C'est rien. Personnellement, ce que j'ai le plus aimé, c'est le plan sur le lever de soleil en question. C'est exceptionnel, j'ai adoré. Il n'y a pas de lever de soleil dans le film. Ah bon ? Tout se passe la nuit, d'où l'ironie du titre. Tu ne l'as pas vu ? En fait... Quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire ? Moi ! Et tu es ? Sylvia Jauregui. Arrête. Je suis la nièce de la directrice. Laisse-moi. Et ? Là. Moi, je pense que vous êtes un raciste et que vous avez fichu Pavel à la porte simplement parce qu'il est noir. Pavel? Ça vous va comme ça ? Qui est Pavel ? Le Cubain ? C'est lui ? Oui, il est Cubain, oui. On ne dirait pas.
Quand on sait qu'ils passent leur vie à danser, ton ami doit être le seul à ne pas avoir leur rythme dans le sang. Vous vous moquez de moi ? Tais-toi, je ne veux plus t'entendre, Sylvia Raorigi. Pavel a été renvoyé parce qu'il n'avait pas le niveau et ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. Et il pourrait bien t'arriver la même chose à toi, à toi, à toi et à n'importe lequel d'entre vous. Est-ce que c'est bien clair ? Bonjour. Pardon, monsieur Mariano, j'attendais devant la porte, mais comme ça fait au moins 10 minutes que j'aurais dû commencer, je suis entrée. Mais si vous préférez que j'attende dehors, ça ne me dérange pas du tout. Non. Venez. Je viens. Vous pouvez commencer le cours. Je commence le cours tout de suite. Ils sont tout à vous. C'est ça, tout à moi. Oh. J'y vais. T'es pas fâchée ? Ne touche pas. Pardon. Prêt ? Elle a les nerfs. C'est bon, vous y êtes ? José ? Parfait, on reprend. Mais attends, Sylvia. Laisse. C'est elle qui a tout manigancé, j'en suis certaine. Quand je pense que j'ai joué le rôle d'Albunena dans toute l'Espagne, et aujourd'hui, cette espèce Ouvre les yeux. Ce qu'elle veut, c'est que tu renonces à la pièce. Mais pourquoi vous vous détestez à ce point ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'y perds. D'après ce qu'on raconte, vous étiez proches comme des sœurs et... Il ne s'est rien passé du tout. Les frictions dans le travail, tu connais ça ? Isaac, j'ai un problème. Ou plutôt, c'est mon personnage qui en a un. Il parle peu. Je te l'ai dit à la lecture, c'est ton personnage qui intériorise ses sentiments. Oui, j'avais compris. Mais à chaque fois qu'il me vient un bon mot, je suis obligée de me taire. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être y réfléchir. On verra ça plus tard, Nouria. Bonjour, Carmen, ça va ? Ah, je t'avais pas vu arriver. Bonjour, Isaac. Bonjour à tous. Bonjour. Amélia, je croyais t'avoir demandé de venir à la répétition vêtue de noir comme une veuve. À vrai dire, je trouve qu'il manque à mon personnage une petite pincée de modernité. Aujourd'hui, les veuves ne sont plus ce qu'elles étaient. Toi, en revanche, tu n'as pas changé. Tu ne peux pas t'empêcher de faire ton intéressant. Toi. Quel manque de professionnalisme. Il y a des mots qu'on ne devrait pas prononcer quand on en est réduite à exercer son talent dans des publicités pour nettoyant WC. Bon, stop. Ne commence pas à me provoquer. Silence, toutes les trois. On se tait. Dans la pièce, vous porterez du noir et aux répétitions également. Et c'est non négociable. Bien. Maintenant, à vous de jouer. Oh, j'imagine que tu étais avec lui. Il m'a tout raconté. Et à ce qu'il paraît, tu ne lâches pas d'une semelle. Tu le harcèles. Tu ne me fais pas peur, Almudena. Laisse-moi te dire une petite chose qui va te faire redescendre sur terre. Oh, tu es jalouse, c'est ça. Regarde, il m'a envoyé des fleurs. Bah alors, pourquoi elle s'arrête ? J'ai bien vu comme tu le mangeais des yeux. Mais celui-là, tu ne pourras pas me le voler. Pour ta gouverne, si Federico est avec toi, oh. C'est à moi seul que tu le dois. Oh. Il m'a demandé en mariage, oh. Et figure-toi que j'ai refusé. C'est vrai, elle a raison. C'est pas dans le texte, ça. Attention. Oh, tu es incapable de décrocher le moindre rôle sans coucher avec quelqu'un. Oh.
Mais voyons enfin. Mais moi, je vais la tuer, cette garce. Espèce de grippe. Je vais lui arracher les yeux. S'il te plaît, Carmen. Moi, j'en ai marre. Je démissionne. Va-t'en, ça se passera de toi. Espèce de sale petite garce. Laisse-moi. J'ai tué la hachée. Oui, tout ça, c'est entièrement ta faute. Ça m'est dû, c'est pour rien. Tu n'avais pas à te mettre avec elle. Mais enfin, Carmen. Pardon, s'il te plaît. Laisse-moi, Horatio. Laisse-moi tranquille. Lola, Lola, dis-moi que c'est pas un suçon, là, là, dans le cou. Bien joué, c'en est un bourré, il est carrément noir. J'ai même pas la force de te mentir tellement j'ai sommeil. Si tu savais comme j'ai les boules. J'ai failli perdre 3 ans pour un... Pour Manuel. Et pendant que le nouveau révolutionne l'école, moi, je m'éclate sous la couette. Tu as eu de la chance, tu as été épargné. Pas comme d'autres. Tu veux savoir? Quoi? Depuis Juan, plus personne m'avait fait cet effet. Alors qu'avec lui, j'ai senti un truc. Elle est superbe, cette plante. C'est Pedro qui me l'a donnée, je la mets où? Pedro, c'est pour moi? Non, c'est pour Ingrid. Je crois que j'étais le seul à t'offrir des fleurs. Très jolie. Oui. Ben alors là, c'est pas juste, je suis jalouse. T'es bête, ça vient de Manuel. Va savoir d'où il l'a déterrée, celle-là. Moi, j'en ai assez de tous mes fiascos avec Pedro. Soit il se déclare, soit c'est moi qui me lance. Moi aussi, j'ai envie qu'on m'offre des plantes. Même une petite fleur suffirait. C'est la télé. Pour toutes les deux. Le programme pour enfants. Alors, ça dit quoi, un regard? Oh là là. Attends, j'ouvre. Je t'ouvre. Je suis sélectionnée, c'est génial. Et toi, Lola? Alors? Ah, oui. Allez, viens, on y va. Vite, allez-toi. Oh, non, attends. Quoi? Non, je dois rester ici. Je peux pas rater un cours. Non, avec ce Mariano, c'est trop risqué. Non, mais tu rigoles? On peut faire un aller-retour si tu t'affoles un peu. Lola, finis de t'habiller, je range tes affaires. Allez, dépêche-toi. Tu sais, je me sens coupable. Ils ont envoyé Pavel à cause de moi. Cela dit, quand je lui ai passé un savon, je savais pas que Mariano espionnait derrière la vitre. Non, t'y es pour rien, hein, crois-moi. Les types qui n'ont que le mot progrès à la bouche sont souvent les plus réac. C'est comme ça. Attends, une minute. Oui. Je reviens. Carmen! Carmen, je te cherchais. T'as un moment? Tu vas les virer? Franchement, je crois que tu devrais y réfléchir. Peut-être que ça amuse Mariano de se la jouer dictateur et compagnie, mais toi, tu devrais réagir. Juan. Notre métier requiert de la technique, une pratique soutenue et par-dessus tout de la discipline. Désormais, tels seront les maîtres mots. Bon sang, vous nous rabâchez tous le même refrain. On dirait une secte. Vous allez commettre une injustice. Et tu le sais en plus. Mariano est un excellent professionnel. En outre, sache que j'approuve totalement ses choix. Il fait bien son travail. Excuse-moi, mais j'en doute. Je crois plutôt que tu l'as engagé pour qu'il se tape le sale boulot que toi, tu n'oses pas faire. Un point, une seconde. Tout. Je tiens à souligner que le règlement existait déjà. Mais à partir de maintenant, il s'appliquera rigoureusement, que cela te convienne ou non. Il faudra que tu t'adaptes à la situation. Sinon, advienne que pourra. Alors? Alors rien, ils sont virés. C'est lamentable d'être aussi rigide. Juan, il faut que je te voie. Juan, attends un peu. Quoi? C'est cette gamine, elle est devenue folle. Elle s'est enchaînée. Mais enfin, Antonio, de quelle gamine tu parles? Sylvia, la nièce de Lara Oregui. Elle est en train de s'égosiller devant l'école. Faut pas la laisser faire. Si jamais sa tante la prend, ça va encore nous tomber dessus. Justement, donne-moi un coup de main. Je fais tout, moi, ici. Dans l'école de Carmen Arantz, on pratique la discrimination raciale. Solidarité avec les expulsés. Non, raciste. Tiens, elle est là-bas. Elle s'est attachée au lampadaire. Bon, je me dévoue, je vais parler à Mariano. Non, raciste. Non, raciste. Solidarité avec les immigrés. Hé, à quoi tu joues? Je proteste, on va pas baisser les bras. Et s'il faut employer la manière forte, on le fera. Et attends un peu que je parle à ma tante. Sylvia, laisse tomber. C'est pas grave, ça va aller, je t'assure. Solidarité avec les expulsés de l'école de Carmen Arantz. Chut, tais-toi. Non, raciste. Arrête, bon sang, t'es malade? T'as envie qu'on me renvoie chez moi? C'est ça que tu veux? Mais toi, tu n'as rien à faire, c'est moi ta porte-parole. Viens là. Solidarité avec les expulsés de l'école de Carmen Arantz. Non aux pratiques discriminatoires. Non aux racistes. Non aux racistes. Non aux racistes. À tous les têtards galactiques,
Éteignez la télévision avant que le circuit surchauffe. Mangez des fruits, buvez du lait et écoutez un électrocompte avant d'aller au lit. Déconnexion. Ce sera tout, merci beaucoup. Merci. T'es sûre que tu te souviens pas de moi? Je te dis que non. Chewing-gum super sidéral. Des transferts les plus sidérants de la galaxie. Tout le monde s'en souvient? Moi non, ça doit être l'âge. Vanessa. Tu la connais? Seulement de vue. En général, je ne fréquente pas les figurantes. Et au fait, t'es venue seule? Mais dis donc, toi, qu'est-ce que t'es, un gosse ou un nain? Toujours pas d'Amélia? On nous attend pour la conférence de presse. Le théâtre est déjà rempli de journalistes et nous, on est là. Tu l'as prévenue, tu es sûr? Bien entendu. Je ne la croyais pas capable de ça. Elle m'a dit qu'elle viendrait. Ne t'inquiète pas, elle va venir. On la connaît, elle adore jouer les divas. Je parie qu'elle attend dans un coin, histoire de nous faire poireauter. Non, non, cette fois, j'en doute, Nouria. Elle est beaucoup trop orgueilleuse. Bon, tant pis. On y va. Pressez-vous, nous allons être en retard. Mais si, mais enfin, Federico... Allons-y, mesdames. Dépêchons-nous. Federico, ça ne vaut pas la peine de le faire dans ces conditions-là. Amélia ne viendra pas, et nous n'avons plus de metteur en scène. Il faut sauver la face, on n'a qu'à noyer le poisson et ensuite on avisera. Mais qu'est-ce qu'on va leur raconter? Mais c'est vrai, on ne va quand même pas faire une improvisation aujourd'hui. Non, surtout pas. À moins que tu ne tiennes à leur révéler ce qui s'est réellement passé. Non, ce serait pire que tout, je t'en prie. Je suis là. Tu vois, je le savais. Enfin, te voilà, je m'inquiétais. J'ai frôlé l'infarctus. Tu as oublié qu'aujourd'hui, nous avons prévu un point presse dans le théâtre, hein? À ce propos, je veux vous voir souriante, n'est-ce pas, Amélia? Tu ne peux pas t'empêcher de te faire remarquer, hein? En attendant, ça ne règle pas le problème du metteur en scène. Ne t'en fais pas pour ça, j'ai trouvé une solution, ça ira. J'arrive. Désolé, pardon pour le retard. Horatio. Je sais, mais avec cette pluie, il y avait un embouteillage d'enfer. L'essentiel, c'est que tu sois là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vous présente le nouveau metteur en scène de la pièce. Horatio. Donner des cours à des élèves est une chose, mais de là à diriger de vrai... Non, sois tranquille, je te l'ai peut-être pas raconté, bon, mais j'ai déjà dirigé des actrices. Ce n'est pas le moment de bavarder, nous sommes un peu pressés. Des professionnels de haut vol. Vous le mettez en scène? Oui. Encore un jeune homme, on dégage. Nouria, ne commence pas. Mais dépêchons, la presse n'aime pas. Bonne impression dès le début. Mais ça va pas à la tête, non? Mais tu m'as fichu la trouille. Comme ça, t'auras pas de câlin. Subtil, je prends un peu d'accord. Idiote. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. D'abord la mauvaise. Bah, ils m'ont choisi comme mascotte pour l'émission. Super. Et c'est ça la mauvaise nouvelle? Ouais, enfin non, le costume était trop grand, alors ils ont pris quelqu'un d'autre. Je suis même pas bonne à faire l'ours. Arrête. Bon alors, et la bonne? Il paraît que tu es la nouvelle cyber Ingrid. On va me voir à la télé, comme ça. Génial. Mariano, tu peux aller te faire voir. Dans l'école de Carmen Arantes, on refuse les immigrés. Non au racisme, non à la xénophobie, non à la discrimination, solidarité avec les expulsés. Non à la discrimination, solidarité, solidarité, solidarité avec les immigrés. Non au racisme. Non au racisme, solidarité avec les expulsés de l'école de Carmen Arantes. Non au racisme. Mais t'as pété un câble ou quoi? Tu vas finir par te rendre un faune. En plus, il y a un orage qui se prépare, il va bientôt pleuvoir. Tiens, je t'apporte un café, bois. Non à la justice, solidarité avec les immigrés, solidarité avec les expulsés. Je te le fais boire. Si c'est pour ça que tu es venu, tu peux retourner en cours. Enfin, Sylvia, tu trouves normal de faire un scandale pareil pour sauver Pavel? D'abord, il est où, Pavel? C'est lui qui devrait être enchaîné ici, pas toi. Tu es dans quel camp? Parce que je te rappelle que ce type t'a ridiculisé devant tout le monde. Peut-être, mais c'est pas ton problème. Tu verras que dans une semaine, ton Mariano viendra me manger dans la main. Les hommes de talent sont condamnés à s'entendre, Sylvia, c'est comme ça. Un petit café? Non. Solidarité avec les immigrés! Solidarité avec les expulsés! Non au racisme! Lèche-bottes, dégonflé, trouillard! Tu veux qu'ils te fichent à la porte? Si tu ne viens pas en cours, ils vont te mettre une absence. Demain, une autre, et après-demain, encore une autre. Trois absences et t'es viré direct! C'est ça que tu veux? C'est vrai, tu as raison.
On n'est pas au zoo. Bon, tu m'aides à enlever la chaîne. Seule, j'y arrive pas. La clé du cadenas est dans ma poche. Hé, attention. Hé, hey, sans faire exprès, tu m'as mis les menottes. Sylvia, ouvre-moi ce truc immédiatement ou ça va mal aller. Où est la clé? Non, dans l'école de Carmen, avance. Mais bon Dieu, Sylvia, t'as disjoncté, c'est pas vrai, ouvre-moi, on va te faire virer tous les deux. Et merde. Non, la discrimination. Moi aussi, je suis une victime. Maintenant, tu vas me détacher, d'accord? Non, parce que sinon, je vais m'énerver. Tu vas m'enlever ces menottes ou ça va mal aller. Un pas à l'ascenseur, fiche-moi la paix. Solidarité. Sois raisonnable. Solidarité, monsieur immigré. Non, racisme. Eh, mais laissez-moi en parapluie au moins. Amélia, Nouria et Carmen, vous les connaissez déjà. En revanche, je vous présente Horacio Alonso, notre nouveau metteur en scène. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes ici pour nous poser des questions, alors allez-y. Quelle différence y aura-t-il dans la mise en scène par rapport à celle d'il y a 20 ans? Vas-y. Nous fignolerons un peu le jeu, c'est sûr. Mais il n'y aura pas de grands changements. Les personnages qu'interprétaient les trois actrices resteront les mêmes. Carmen sera Almudena, Amélia jouera le rôle de Mercedes et Nouria celui de Maria. Elle a un sacré toupet. Elle m'a volé mon rôle, cette espèce. Ce n'est pas le moment. Question suivante, mesdames et messieurs. Carmen, la dernière fois que vous avez travaillé avec Amélia, il y a eu de gros problèmes. Comment se sont passées les retrouvailles? Je crois que ce qui importe aujourd'hui, c'est notre pièce. Je n'ai pas l'intention d'aborder des sujets personnels. Il n'empêche que cela avait provoqué un grand scandale et mis un terme à votre spectacle. On a pu commenter cet incident à l'époque. Pouvez-vous lever le voile aujourd'hui? Je regrette. Je ne suis pas ici pour parler de ma vie privée. Et vous, Amélia, avez-vous quelque chose à dire? Moi, je souhaite simplement indiquer que je pense que Carmen a été très claire sur ce point. Nous parlerons exclusivement de la pièce. Merci beaucoup. Horacio, je te saurais gré de me laisser m'exprimer. Je tenais seulement à préciser que... À mon avis, ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années n'a guère d'intérêt pour nos amis journalistes. Cette fois, j'en ai marre. J'ai des choses à dire. Il y a 20 ans, j'ai surpris l'homme que j'aimais avec mon amie très chère que je considérais comme ma sœur, Carmen Arantz. C'était la veille du jour de notre mariage. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu la tuer sur scène ce fameux soir. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Ça y est, tu m'as grillé définitivement avec Mariano. Point, je te jure, j'ai rien à voir là-dedans. Je suis ici contre ma volonté, en plus je me gèle les miches. Bon, écoutez les enfants, c'est bien beau le couplet sur la solidarité avec les copains, mais vous croyez pas que le moment est mal choisi? Je viens de parler à Mariano, et ce gars-là est sans pitié, il veut absolument rien entendre. Moi, je vais en parler à ma tante. Mais ça changera quoi? T'as pas compris que c'était pas le jour pour faire des blagues? C'est ce que je te disais, Sylvia, j'avais raison, c'est pas le moment. Oh, justement, le voilà. N'ayons l'air de rien. Essayez de tousser ou de chanter des rumbas. Avec un peu de chance, il aura pitié de vous. Vous avez manqué 4 cours aujourd'hui. Le quota d'absence est dépassé, vous êtes renvoyé de l'école. Ah non, attendez, Mariano, elle m'a mis des menottes. Je te remercie, t'as toi. N'en rajoute pas, Mariano. Merci, tu viens de me faire perdre 3 ans, Mariano. T'es contente. Mariano, bon sang. Je suis pressé. Je suis le prof le plus ancien de l'école et j'ai jamais vu une chance. Chez moi, la discipline passe avant tout, c'est de militaire. Mais tu devrais comprendre. Ce que je comprends, c'est que t'as renvoyé 5 élèves en parce un jour. Parce qu'ils manquent continuellement les cours. C'est un motif de renvoi, c'est justifié. Et qui plus est, ces gens n'ont aucun talent. Mais comment ça, aucun talent? Tu t'attendais à quoi? Je te rappelle qu'on m'a engagé pour élever le niveau de la formation de cette école. Ouais, environ à tour de bras, mais t'as l'air d'oublier que les élèves... Je sais parfaitement ce que je fais. Juan, arrête de masticoter. Je les renvoie parce qu'ils sèchent mes cours et parce qu'ils tirent leurs camarades vers le bas et aussi parce qu'ils organisent des manifestations ridicules de fils à papa. Ces individus n'ont rien à faire dans une école comme la nôtre. Alors renvoie-les s'ils ont pas la moyenne. Mais eux deux, mais regarde-les, bon Dieu, ce sont 2 des meilleurs élèves et tu les vires. Je reconnais qu'ils sont capables de ténacité et d'esprit de sacrifice à certaines occasions. Quel dommage de les voir gaspiller leur énergie. Mais t'as vraiment une pierre à la place de... Crois-moi, ils se sont renvoyés d'eux-mêmes, Juan. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai rendez-vous. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como a un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Me pasa.